Québec, la peinture de M. Crécor. Nicolas Cornelius. Alors voilà, pour ceux qui le connaissaient déjà, ceux qui ne le connaissaient pas, c'est fait. Et on va se diriger maintenant vers son atelier. Quelque chose. Ce sont des reproductions. Hein. Des scènes de Québec. Regarde celle-là. Celle-là, on la connaît tous. Regarde, c'est la plus belle. On l'a vu en Capastane. C'est la plus belle. Bonjour. Bonjour. Voilà. Alors donc, Cornelius Crécor, le bateau à glace. Sur ce qui... J'aimerais avoir la vie pour voir des choses. J'ai un beau livre, M. Crécor. Oh, oui, s'il vous plaît. La dame est une connaisseur. Alors voilà, on se dirige vers... L'atelier. L'atelier. On est dans l'atelier. Nous y sommes. L'atelier de Cornelius Crécor. Voilà. On sent son esprit, là. Hein? Oh, vous me permettez de juste à faire un film. Merci. Alors voilà donc l'atelier de M. Crécor, Cornelius de son prénom. J'ai un commentaire. C'est quand même très peu lumineux pour un atelier de peintre. Hein? Alors donc, on s'en... Oh my God! Le maître peignant. Voilà le maître peignant. Photo. Vidéo. C'est une photo. Alors, regarde, c'est ça qu'elle est. Alors, voilà. Je vais essayer de m'approcher davantage pour que vous puissiez... J'enlève si possible. Oh, voilà. Alors, c'est lui. Alors, maintenant, c'est un bistrot-hôtel qui s'appelle le Crécor. Rappelons-nous, c'était Québec. Ah, c'était sans doute une partie de son atelier ici. Génial, hein? Génial. Excusez-moi. Voilà donc